Bonsoir, tu es déjà sous la couette? Et c'est l'heure de quoi? La lecture du soir. De quoi? La lecture du soir. Ah, mais oui. Laisse-moi te raconter une drôle d'histoire. C'est l'histoire d'une vieille sorcière. Mais comment s'appelle-t-elle déjà? Ah oui, Grabouilla. Qu'est-ce qu'elle fait pas comme bêtise? Elle passe par la chatière du gros chat Ramina. Elle transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère. Oh, c'est tout de suite moins bien pour marcher. Elle se cache dans la gouttière de la maison de Nicolas. Oh, tout le monde lui dit, sorcière, cache-toi, arrête, retourne chez toi. Mais elle n'en fait qu'à sa tête. Un jour, elle a mangé beaucoup trop de sucreries. Elle est entrée chez l'épicier et elle lui a volé tous les nougats. Elle a mangé une boîte tout entière. Elle a même bu de la bière. Oh. Et elle a dit d'un ton amer: ouh, oui, 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 oh, j'ai mal à l'estomac. Eh bien oui, c'est normal. C'est même bien fait pour toi, sorcière. Allez, retourne chez toi et va te reposer. Tu apprendras que la gourmandise, c'est très bien, mais quand on la maîtrise. Et voilà, c'est la fin de l'histoire de Grabouilla, la sorcière gourmande. Abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos. N'hésite pas à cliquer sur tous les pouces en l'air de toutes les vidéos que tu regarderas, cela aide la chaîne à exister. Abonne-toi également au compte Instagram de La Petite Voix. Je te remercie et te souhaite une très belle nuit.